Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 100, 214 de Bleach of Souls. Donc à la suite de l'épisode 213 pour moi, vous, il s'est écoulé une petite semaine. Histoire secondaire, la formation de la division Zaraki. Si c'est pas trop long, on fera des tirages ensemble après pour voilà, tirage de personnages, puis tirage de la loterie de Conn, comme on fait habituellement. Commençons sans tarder. Après le départ d'Aizen et de ses acolytes des 13 divisions ébranlées, s'efforçant de se réorganiser, Ikaku, il n'y a que toi. Aucun autre vice-capitaine n'a le Bankai, et même s'il y en avait, non, il n'y a que toi. Dans la 3e division, la 5e ou la 9e, toi seul peux prendre le poste d'Aizen. Soit le nouveau capitaine Ikaku. Impatient, irritable, coléreux, à cette époque, je me résumais seulement à ça. La Soul Society n'était pas un endroit pour moi, mais je n'avais ma place nulle part. Seul le combat et la douleur avaient un sens pour moi, rien d'autre. Il y a des balèzes par ici, j'ai envie de me battre, et il n'y en a pas un ou deux qui veulent mourir. On a déjà vu ça dans la série, hein. Ça reprend clairement un épisode de la série après la trahison de Aizen. Qui a fait ça? Yatiru. Elle est toute mimi. Je l'adore. Tu ferais mieux de partir. Kenny est de bonne humeur aujourd'hui, donc tu es sûr de perdre. Bah, il est de bonne humeur, donc il va me battre. N'importe quoi. T'es bête, toi. Quand il est de bonne humeur, comme il s'amuse, il ne retient pas ses coups. Répète-moi ça. Attends, laisse-la tranquille. Tu ne fuis pas en courant. Tu t'es... Tant pis pour toi, moi aussi, je suis de très bonne humeur. Tu as l'air fort, l'ami. Ouais. Il est badass, Zaraki, comme ça, là, en... Bah, pas en tenue de capitaine, quoi, comme il était dans le passé, quoi. Ouais, moi aussi. J'attends de voir ça. Allons-y. Ah d'accord, ok. C'est quoi ce type? Il n'est pas seulement fort, il est rapide. C'est une première, je me marre bien, j'ai bien fait de venir. Tu m'envoies ravi. Que se passe-t-il? Je vois à peine son sabre. Kenny rigole. Mais c'est dommage, c'est bientôt fini. Je me suis bien amusé, ça faisait longtemps.
Non, attends. Quoi, t'es encore vivant? Qu'est-ce que tu fous? Tu ne m'achèves pas. Tu as gagné pourtant, tu moi. Ça, c'est une image de la série. Désolé, si tu ne veux plus te battre, tu ne m'intéresses plus et rien ne m'oblige à te donner le coup de grâce. Te fous pas de moi, vas-y, tu moi. Arrête tes idioties, si tu aimes te battre, arrête de geindre, pour qu'on te tue. N'accepte pas la défaite c'est après la mort. Si tu survis à ta défaite, ça veut dire que la chance était de ton côté. Dans ce cas-là, ne pense qu'à ta survie. Survie et ne pense qu'à tuer celui qui n'a pas réussi à te tuer. Je t'assure que je n'ai pas retenu mes coups. Tu as eu de la chance de survivre, vie. Vie et un jour reviens me tuer. Salut. Non, attends, ton nom, donne-moi au moins ton nom. Kenpachi. Kenpachi Zaraki. Bon, normalement, ça dure pas trop longtemps, ce truc-là, hein. Une fois remis de mes blessures, je l'ai cherché pour l'affronter une nouvelle fois, mais impossible de retrouver sa trace. Puis un jour, Yumichika est venu me voir. Les 13 divisions, il a battu le précédent capitaine et il a pris sa place. C'est le meilleur moyen de combattre autant qu'il veut. Comme ça, il va protéger ce monde répugnant, lui. Non, c'est pas son genre. Tu veux aller voir? Bien sûr que oui. Je le pourchasserai même en enfer. Je sais que tu dirais... Je savais que tu dirais ça. Kenpachi Saraki, capitaine de la 11e division, écoutez-moi bien, je me fiche de savoir d'où vous venez, votre âge ou votre expérience. Il n'y a aucune condition à remplir pour vos places et aucune garantie. Une seule chose, je vous demande qu'une seule chose, de la force. J'aime les mecs forts, ceux qui savent se battre. J'approuve. Je suis venu comme tu me l'avais dit. Wow, il est gros. Vice-capitaine, cette chose a déjà tué 15 Shinigami. Ne soyez pas imprudente. Ok, j'y vais. Attends, rappelez ce que nous avons envoyé. Ils sont dans mes pattes. Oui, vas-y Kenny. Les holos, ils reviennent. Ah, évitez de rallonger la sauce, quoi. J'espère qu'ils vont pas nous refaire 12 chapitres sur
sur un moment qui dure 5 minutes dans la série, quoi. Tant mieux, j'en avais pas eu assez. Ça ne va pas du tout, capitaine. Il a raison, ça ne se fait pas de ne pas partager. Vous avez un problème, je vous ai dit de reculer. Kenny, vous faites un concours. On joue à qui tue le plus d'holo. Allez, je veux bien. À une condition, si vous me gênez, je vous coupe en deux. Ça marche. Le temps passa. Sois le nouveau capitaine Ikaku. Je ne montrerai pas mon Bankai à d'autres que Yumichika et toi. Si ça venait à s'ébruiter, alors d'autres personnes me demanderaient de devenir capitaine. Je ne veux pas devenir capitaine. Si je le devenais, je ne pourrais plus suivre le capitaine Zaraki. Toi, tu veux surpasser Byakuya Kuchiki. Moi, je n'ai qu'un seul désir. Je veux mourir au service de cet homme. Rien de plus. Voilà. Normalement, ça s'arrête là. Voilà, on a Yumichika. Super. Eh ben, on a fait ça en à peine 20 minutes, ouais, un peu plus de 20 minutes. Du coup, on va passer notre tirage et on va commencer par le tirage gratuit que j'ai. Voilà, il y a ce tirage-là actuellement, bon, voilà, qui rapporte quelques personnages. Rien de bien folichon, mais bon. Donc, on n'a rien. Pas très grave. Est-ce que j'ai d'autres trucs qui peuvent valoir le coup? Ah! La librairie, sa foi, il a. Elle coûte pas. C'est les premiers tirages, coûte pas bien cher. On peut essayer deux tirages sur la loterie, sa foi. Malheureusement, non. On n'a pas ce premier tirage. Je tente un second. Kamamura, ouais, j'ai toutes les versions de Kamamura. Ah non, j'avais pas toutes les versions de Kamamura. Il y avait aussi cette version-là. Donc on a une version Kamamura Tenken. Qui est... Qu'a l'air sympa. Ah ouais, non mais franchement, par contre. Y en a, ça fait des super que fond d'écran hein, dans le jeu. Hein. Vous prenez un petit screen, vous le remettez en 1080p, vous faites un bon fond d'écran avec ce genre de choses. Hein. Ah, enfin bref. Bon, moi ça fait plaisir, j'ai déjà un 5 étoiles, un nouveau 5 étoiles. Ok, on regarde un petit peu les autres sélections. Ok. Et on va tirer donc nos tickets. J'ai quelques tickets 5 étoiles à jouer. Beaucoup, en fait, de tickets 5 étoiles à jouer. Donc déjà, on va voir des 5 étoiles. On va voir si ce sont des nouveaux.
Donc on sait que c'est un 5 étoiles. Kenpachi. À nouveau Kenpachi. Ouais, j'ai skippé un petit peu. Hein. J'ai skippé un petit peu. On a un nouveau Kenpachi. On sait que c'est des 5 étoiles. On sait, on aime bien les phrases et tout. Après, si vous aimez des. Wow, allez, si vous aimez découvrir les personnages que c'est. Ça, c'est. Ah non, c'est Gréco. Ah, je pensais que c'était un membre de la Division 0. Mais j'ai plus les noms de ceux qui sont. Ok, bon, Gréco, on l'avait, hein. D'accord, ça y est, la peau rouge, là. Bon, ok, Gréco. Loterie de Noël. C'est Ichigo. Oh, c'est. D'accord, c'est cette version-là d'Ichigo. Mais je l'avais déjà. Mais c'est ça, c'est une belle version. Pareil, hein, cette version-là d'Ichigo. Le fond d'écran peut être sympa. 2-5 étoiles supplémentaires. D'accord, Renji. Et l'autre? Ah, Onohana. Une nouvelle Onohana. Je l'avais pas cette version. Ok. Sympa. Un spécial anniversaire. D'accord, c'était Sadeno, je l'avais pas reconnu. Mais Sadeno, je l'ai déjà. Ok. On va faire une dizaine donc de. Ouais, on va faire donc les quelques tickets de loterie 4-5 étoiles. Moi, que dalle. Ok, d'accord. Mince, j'aurais dû cliquer sur x10 plutôt que de revenir là. Non, eh ben non. On n'aura eu que des 4 étoiles normales. Ok. Et on a quelques tirages x100 à faire avec les tickets de Brave Souls. Oh. Amagai. Ouais. Ah, j'ai un nouveau Muramasa. Après c'est vendu. Un nouveau Muramasa, ok. Puis après donc j'ai eu Amagai, j'ai eu le commandant en chef. Mais on chope pas mal de nouveaux 5 étoiles là, c'est cool. Ok. Okiteke, non? Ah non, bien queer. Ichigo.
Ouf! Je l'ai pas cette version, je crois. Je crois que je n'avais pas cette version. Donc, c'est. Ouais. Neliel, évidemment. Quand elle libère sa puissance. Ok, Renji. Stark. Ça fait beaucoup de persos. Et si j'avais cette version-là d'Ichigo, il me semblait pas que je l'avais. Mais ok. Et bah 5! 5 étoiles en plus. Ce tirage a été bon. Même s'il n'y a pas de nouveau 5 étoiles, c'est. Oh! Voilà, j'allais dire. Yukio. Ouais, Nanao, donc ouais. Seulement? D'accord. Ah, par contre, c'est un nouveau Yukio. Eh ben, j'ai plein de nouveaux 5 étoiles, franchement, je suis assez content. Ok. Les tickets premium, je m'en sers uniquement pour feed. Hein. J'ai très rarement des 5 étoiles avec ça. C'est extrêmement rare d'avoir des 5 étoiles avec des loteries premium. Du coup, c'est pour ça que je les garde, je les cumule. Et même, vous avez vu, j'en ai dépensé même pas mal pour feed des 5 étoiles, du coup. Du coup, très bien. Bah, écoutez, attendez, on va faire un tout petit bilan de savoir combien de... voilà, ouais, bon, j'ai 60 emplacements qui sont... sont occupés, mais je voudrais qu'on compte rapidement combien de nouveaux 5 étoiles au total j'ai eu. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai eu 5 nouveaux 5 étoiles. Les restes, ce sont des 5 étoiles que j'avais déjà. C'est ça, hein. 1, 2, 3. Quatre, cinq. Ouais, c'est ça, 5. 5 nouveaux, 5 nouveaux, 5 étoiles. Ok, bah c'est plutôt cool. Bon, je filerai après. Là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est utiliser nos points de d'amitié, là, les free end points. Les free end points. Parce qu'en plus, en plus, je commençais déjà à en perdre. Donc, hop. Hop. C'est parti. Bon, il y en a beaucoup à faire. On est à quoi? On est. Ouais, on est à. On va approcher les 40 minutes. Ah zut, j'ai oublié, j'ai pas regardé. Bon bah j'ai pas regardé si on avait des votés du coup au premier tirage. C'est pas grave. On va considérer qu'il n'y en avait pas. Faudrait quand même pouvoir tirer plus, hein, mais bon. Ça. Ça, malheureusement. Faudrait pouvoir avoir une plus grosse réserve et pouvoir tirer plus. Mais bon. Ouais, quoi, ça leur coûterait quoi de mettre une limite à 1 million, quoi. C'est. En base de données, c'est pas plus lourd. Hein. Au contraire, en plus, ça fait plus d'espace dans l'espace cadeau. Je pense en vrai qu'ils économiseraient même de la base de données en augmentant la limite ici, quoi.
Ah, une volonté. En 30 000 points. Ah, ça nous fait 3 volontés. Quatre volontés. C'est pas glorieux, hein. Ah, 5 volontés. Ah, 6. Si volonté du coup, et sachant qu'il nous reste à peu près un peu moins de 20 minutes de tournage. Bon, voilà, on va pas passer 20 minutes là-dessus non plus, hein, Allez, dernier tirage de cette session. Après, je vais aller rechercher des points dans mes cadeaux. Et allez donc, 6 volontés en 100 000 points. Et pas énorme. Hein.
Comme ça, c'est fait, j'ai tout récupéré. 72 000 points supplémentaires. Ah, donc j'étais à 6, 7, 8, je suis à 8. Neuf. Dix. Il m'en faudrait une quinzaine pour libérer mes 5 nouveaux personnages. Donc là, je suis à 10. Eh ben, ça drop pas, hein. Ah, 11. Douze, 13. Je suis toujours à 13 pour le moment. On approche de la fin. Il m'en faudrait deux de plus. Avant-dernier tirage. Ah, 14. Allez, dernier tirage, une dernière volonté, s'il te plaît. Non, malheureusement, c'est non. 14 en 172 000 points. Pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais bon, c'est tout, hein. Que voulez-vous? Et tout, c'est le hasard. On va feed un petit peu les persos. Et ouais, je vous disais juste rapidement avant de. Hop. Avec cette image-là, en fond d'écran. Avouez que elle est stylée.
Enfin. Hop, honneur aux dames, on va commencer par Onoana. Alors, j'ai vu la guerre sanglante de Milan, enfin les 13 premiers épisodes de la guerre sanglante de Milan en animé. Le combat Zaraki contre Onana, alors ok, il est classe, mais je le trouve toujours aussi débile. Je la filerai plus tard. Hein. Une fois 6 étoiles, je la filerai après. Hop. Alors ensuite, en nouveau 6 étoiles, on a Yukio. Ensuite, on a Kenpachi, hein, c'est ça? Oui, il n'y en a pas avant. Allez, je vérifie là, mais Ah non, j'ai mal compté, excusez-moi. On vient d'attaquer la 40e minute là, c'est ça? Ouais, donc ouais, bon, on a un peu de temps, on va feed ensemble mes personnages. Voilà, c'est assez rapide à faire. Et là déjà, on a gagné 150 orbes, ben. Enfin, on s'est remboursé 150 orbes, en fait. Ah non, gagné, parce que c'est essentiellement des tickets qui ont été utilisés. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste en nouveau perso? Muramasa? Il me reste Muramasa et Kamamura, visiblement. Mince, j'ai oublié de le feed. Je suis débile. Et donc Kamamura. Ah, alors j'ai intérêt à faire attention.
Parce que sinon, il aurait pu prendre le 5 étoiles qu'elle a et je veux pas gaspiller. Parce qu'en fait, j'ai le 5 étoiles pour qu'il puisse prendre après les événements, mais en vrai, c'est vrai que là, c'est. Là, au cœur, c'est pas malin d'avoir laissé 5 étoiles, on sait jamais. Ouais, hop. Et ben voilà. Bon, les Ogyoku, hein, j'en ai quasiment 5000, c'est pas ça qui. Pas ça qui coûte le plus. Bon, bah après, c'est plus que des 5 étoiles. Pff. En vrai, regardez surtout ceux qui sont intéressants en priorité, hein. Ah. Alors, je vais taper dans mes cartes événements du coup. Bah je l'ai fit pourtant. Ah merde. Ah, il me manque des cristaux. Ah, c'est con ça. Bon bah tant pis, je m'arrête là pour le moment. Chambre des cristaux, je les farmerai, je vais pas les acheter. Parce que c'est un peu chiant. Puis ouais après bon bah j'ai. Voilà, j'ai quelques événements pour pouvoir feed. Bon. Ah ouais, du coup, bon, donc j'avais encore quelques persos là qui sont à 100% à éveiller, des trucs comme ça. Je sais même pas s'il y en a encore qui sont en. Ah ouais, donc j'ai des nouveaux. Ah oui, puis ces deux-là en plus peuvent être éveillés en plus de. Donc ça va être mes priorités, ceux-là, parce que non seulement je peux les élever niveau 200, mais en plus après je peux utiliser des volontés de Yogyoku pour les refaire recommencer le niveau 200 et enfin les éveiller quoi. Et donc eux il y a moyen qu'ils me rapportent 2 fois 75 orbes en plus. Ce qui peut être avantageux. Et Loupie et elle là ce sont des nouveaux aussi. Enfin voilà. Bref. Déjà j'ai ces deux-là à finir. Et puis surtout ben, sous le tri à faire hein, du coup. Mais on le sait, ces deux-là du coup un peu prioritaires. Donc je vais déjà les. Déjà essayer les feed. Après des cartes événements ça se farme. Hein. En fait à chaque fois que. Là par exemple Muramasa il va me demander des cartes événements.
Voilà, et alors, il veut me demander des. Eh ben en fait, ce que je vais faire, c'est 12. 12, 12 divisé par 3, c'est 4, c'est ça? Ouais, 3 fois 4, 12, oui, c'est ça. Donc, au mieux de faire la quête seulement 4 fois, ce qui est suffisant pour le maxer, eh ben je fais 10 fois, et en fait, l'excédent de Byakuya que j'aurai, eh ben je le mettrai en feed pour un autre personnage. C'est comme ça que je fais, généralement, comme ça, je m'emmerde pas. Et puis ça coûte pas bien cher en plus quoi. Ça coûte des soul tickets, et les soul tickets on en récupère régulièrement. Enfin on en récupère tous les quarts d'heure donc en soi ça coûte rien de farmer des quêtes avènements 10 fois plutôt que le nombre requis. Eh ben voilà, j'ai pas assez. J'ai pas assez de cartes événements. Parce que les persos que j'ai verrouillés là, ils sont chiants à farmer. C'est pour ça que je les verrouille, c'est pour pas les donner en feed. Parce que eux ils ont du poison, c'est chiant. Et Tsukishima, il est résistant aux attaques d'un certain type et c'est chiant. Donc il est chiant à farmer. Voilà. Mais écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura un petit peu progressé aussi sur ma liste de persos. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt!